Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Kingdom Hearts 358 The Days. Et on commence avec une manette qui ne fonctionne pas. Parfait. Je débranche, je rebranche. Voilà. Très bizarre. La dernière fois aussi, la manette buggée et je n'ai pas encore éteint mon PC. Puis voilà, j'ai pas pensé. J'avais la flemme surtout. Et je faisais d'autres choses. Bref, non, tout de suite, continuez l'histoire. Parlez. Montrez-moi que vous deux valent mieux qu'un. Ou notre accord se terminera. Ok. Donc là, on va faire équipe avec Zion. Pour. Récolter des cœurs, tout simplement. Donc là, on va faire les quêtes secondaires dans un premier temps. Donc voilà, on va récupérer les emblèmes avec. Nous allons vérifier vos aptitudes en vue de missions futures en testant votre mobilité. Toute équipe avec Zion et récupérer les emblèmes de l'organisation que nous avons disséminés dans la cité des crépuscules. La seule façon de récupérer tous les emblèmes de cet exercice est d'obtenir d'abord le maximum de vos compétences de mouvement. Soit la présence de plantes vénéneuses. Ok. Trouver le maximum de emblèmes de régulation, ok. Hop, c'est parti. Là, c'est un cul-de-sac. Je fonce dedans, donc me con. Voilà, je m'en doutais qu'il était en hauteur. Parfait. Juste récupérer celui-là. Il y en avait un aussi là. Qu'est-ce qui se passe quoi? Oh, hey, hey. Bah. Oh. Hey, manette. Tu vas arrêter de foutre de la merde. Je pense que je vais vraiment être obligé d'éteindre le PC. Hein. Là, j'ai pas mon choix. Ah, parce que là, ça me perturbe en fait, c'est pour ça que je parle pas beaucoup. Ouais, donc là, c'est pas un emblème, mais c'est un badge unité. T'es sérieux là? Ah, quand même. Vu comment pour le bad sans qu'il m'aide. On a encore qu'à faire rien là. Elle met des coups de poing, c'est ça? Non, elle fait la magie. Ok. Bon, bah, c'est mieux que rien. Bon! Bah, je vais devoir éteindre le PC, hein. Obligé. Je vais t'en tester. Bon, attends. Bon, je vous retrouve. Du coup, j'ai pas réussi à faire ce que je voulais avec ma manette. Ma manette marche. Enfin, mon laboratoire fonctionne. Est-ce que j'ai tourné pour ça? Ouais, du coup, ouais, c'est marqué PP non reconnu. Ça marche quand même. Voilà, là, ça a l'air de ça freine quand même. Mais parfois, il y aura des petits moments où ça ne fonctionnera pas. Je sais pas pourquoi. Et si vous me suivez depuis longtemps,
Vous saurez que j'ai avec les manettes, je n'ai jamais, jamais de chance. C'est fou. Avec les manettes, j'ai pas de chance. Moi, j'ai vraiment zéro chance. Du coup, en fait, j'ai aussi accidentellement mis un dash là pour récupérer les emblèmes. D'ailleurs, ce emblème, je l'avais déjà récupéré avant l'ellipse. C'est pas grave, hein, je vous le remonte. Étant donné que je sais plus trop où est-ce que qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que j'avais pas fait. J'ai cherché quand même depuis longtemps. Bah, ça fait un petit moment que j'essaie de réparer. De trouver une solution là, pour pouvoir me mettre, mais bon. Et récemment, je me télécharge des mobs, des mods pour battre sur Gate 3. Pour ma partie du coup, en off. Parce que là, j'ai fini le jeu, mais du coup, je me suis fait une autre partie de mon côté. Et du coup, là, sur cette partie-là, je me permets de tricher et de tuer des mods. Et maintenant, pour l'instant, j'ai pas encore commencé avec les mods. J'ai commencé mes nouvelles parties, mais j'ai pas commencé avec les mods. Voilà. Je sais pas ce que du coup, je sais pas du tout ce que je fais va fonctionner. Parce que j'ai jamais. J'ai jamais utilisé mods de jeu. Donc, je sais pas si ça fonctionne. J'ai utilisé des cheats, mais j'ai jamais utilisé de mode. Et les cheats, bah, c'est facile sur des vieux jeux, quoi. Sur des vieux jeux. PS1, etc. C'est facile. PS1, PS2 et tout. Mais par contre, des jeux récents, j'ai jamais fait. On utilise du coup des mods et j'ai jamais fait. Donc là, j'ai mon télécharge, actuellement. Et je sais pas du tout si ça va fonctionner. Du coup, en plus, là les mods que tu charges, c'est des mods pour des nouveaux vêtements. Ça, c'est quand même super intéressant. Des vêtements. Je prends aussi des mods pour avoir des nouvelles races. Alors, je trouve ça vraiment cool. Mais bon, ça fait chier parce que du coup, là, j'ai en train de commencer une partie où je contrôle du coup la Zadel. Et d'ailleurs, je trouve ça trop classe. C'est trop stylé de la contrôler. Et je sais que ça ne ressemble pas du tout à la Zadel, mais je trouve que ça ressemble vachement. Et c'est plus facile à prononcer, justement. Et bref, du coup, ça fait. Pour la race, du coup, je recommence. Et que je recommence du coup avec un personnage créé, et j'avoue que ça m'embête un peu. Non, les mods en vrai, les parties modées, je sais même pas si je les finirai, hein, si je les finirai. Ou alors je les finirai, mais non, ça. Étant donné qu'il y a moyen de tricher bien comme il faut, genre pour avoir plus d'action, pour avoir plus de caractéristiques. Et du coup, j'ai jamais loupé ces GD. À partir de là, le jeu il va être simple, quoi. Donc même si je fais 40 parties, ça le fera quoi. Bon, mine de rien, j'avance avec les emblèmes. Mine de rien. Shit. Ta mère. Ah, ta mère. J'ai vu un emblème qui était par terre. Il est où ce par terre? J'ai vu un emblème qui était par terre. Donc il est rêvé ou pas?
Bon, bah oui. Là, j'en ai un autre. À mon avis, là, après, là, je vais. Attends, juste. Voilà. Mais je vais continuer parce qu'il y en a encore pas mal. Bon, je me casse. Ah. On rentre dans la citadelle. Allez. C'est que ça? Madame, pour synthétiser, elle m'a dit de prendre plus de légèreté. Mais ça permet de sauter plus haut, ça? C'est ça qui peut me sauter plus haut? Et du coup, ça, j'en ai pas mal de ça. Le jour 76. Donc, passons à la suite. Détruire les globes sombres. Les globes sombres sont envahis d'Agrabah pour l'instant. En gros, c'est comme d'hab. On connaît déjà, on sait, on a déjà eu une mission similaire. Et vraiment, on est vraiment minuscule à chaque fois. C'est fou. Hein. Regarde ça. Ça part par la porte. Ok. Même le dash, hein. Même le dash, il y a quoi? Bah, passons à la salle suivante. Allez. Vas-y, terrasse. Oh. Tant pis. Tant pis, tant pis. La main du supplice, c'est qu'elle livre. Comme une brasier éclat brillant. Le jour 76. 77. Donc, panneau. Des pièces techniques. Ok. Bon, on va se regarder.
Bah là, du coup, hein, on va avoir droit à... on va avoir droit à des quêtes principales. Donc, on va commencer par celui-là. Donc, explorer la caverne. Cette équipe d'exécution et réunissez des informations sur la caverne en plein désert. Et on doit traiter une caverne, c'est ça? Oui, excellemment, on l'a découverte la dernière fois qu'on est venu. Il est entré dans le secret en ville. Comment l'avez-vous trouvé? Par hasard. Il y avait un tube douche et Axel a décidé de le suivre. Ils avaient trouvé cette caverne? C'est bien joué de la part d'Axel. Tu es prêt à l'explorer? Oui, il y a une porte secrète par ici. Allons-y. Elle aurait pu me mettre directement sur à la porte, hein. Il y a un coffre. Il y en a 8 dans ce monde, dans cette mission. Et j'ai pas tous les récupérés. C'est sûr, c'est sûr. Oh, on n'est pas seul. Des encœurs. On fait. On n'a pas le choix. On s'en débarrasse. C'est parti. Il y avait des petits à-goûts. D'ailleurs, il a totalement disparu. Ce petit singe, je l'ai vu l'autre fois aussi. Et Alsace, regarde. J'ai laissé tomber ça. Et où as-tu pu trouver ça? Qu'est-ce que tu en penses? On la prend? Comme tu veux, Xion. Et vu qu'on ne sait pas ce que, à qui elle appartient, qu'un autre risque de s'emparer si on la laisse ici. Ok, alors je la garde, ça pourrait servir. Et si vous vous souvenez bien, dans la mission où j'ai visité la caverne, la caverne avec du coup Axel, on était tous sur une petite selle où il y avait un emplacement pour une boule, justement. Une coïncidence. Parfait, entrons dans la caverne. Avec le petit Sora qui court. C'est-à-dire que je vais devoir refaire toutes les, tout ce que j'ai fait, tout le mécanisme, quand la visite de. La visite du coup du. Ma première visite de la caverne. Ça, on a une merde, ça pour le coup. J'ai pas galéré, mais c'est quand même casse-couille quoi, de tout refaire. Ah non, c'est déjà mis à la lave. Parfait.
T'as même mimique que moi la dernière fois. Et regarde ça! Un trou derrière qu'on peut y placer quelque chose. C'est à peu près à la même taille que la pierre qu'on a trouvée. Génial, ça c'est en mode sans problème. C'est un outil ici que le singe a trouvé. C'était ici à l'origine, on devrait les laisser. On continue? On a passé toute la zone en pleine fin. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Avançons plus loin dans la caverne. Voici. Je boule encore. C'est fou ça. Et sinon, on pourrait avoir d'autres sangars que ces merdes là qui me boulent à chaque fois. C'est pareil qu'on monte. Ah, viens l'eau. Voilà. Qu'est-ce que c'est? On essaie de taper dessus pour voir. Ok. Et je brûle. Brûle. Oui, donc oui. J'avais totalement oublié que... J'avais totalement oublié que ici, là, le vide était une pièce. Voilà, c'est là où j'avais vu. Oui, voilà, merci. Mais, oui.
Encore un autre bloc. J'essaie de fermer celui-là. Le sol est fissuré. Oui, on dirait que cet endroit a été bâti il y a bien longtemps. Alors, moi, qu'est-ce qui importe dans le panel des personnages là, parce qu'ils nous tout en morceaux. Ah, voilà. Et quoi, un bloc? Je crois que ça fera quelque chose si on se retourne dessus. Ah, voilà! Les intuitions ont actionné avec ces marques. Voyons où ça nous mène. D'accord. Habit de potion. C'est quoi cette statue? Elle tient un joyau, on dirait. Je crois qu'on a fait le tour. Oui, il n'y a pas d'autre porte ou interrupteur. On devait être au fond de la caverne. Alors, le verdict? On appuie la caverne, nous foutons en comble, c'est tout pour lui. On rentre. Ça me va. Vous êtes qui, vous? Eh, mais je vous reconnais! J'ai acheté la lampe magique, c'est ça? Quelle lampe magique? Vous voulez pas continuer avec moi? Écoutez-moi bien, cette lampe appartient officiellement à Patibulaire, c'est clair? Là, venez pas mettre vos pattes dessus. On va affronter Patibulaire. Et voilà! Je ne sais pour rien! Déjà que j'ai du mal à la trouver et en plus je dois me battre avec des crétins! C'est pas juste! Oula, ça t'en aussi. Allez, salut la compagnie. Et attends. Viens, chasse, il faut qu'on sorte d'ici, nous aussi. Mais tu as raison. Vite. C'est cool, ils l'ont fait sans ellipse. Ouf, on a réussi. C'était moi une. C'était lui, j'imagine. Tu as cassé les mots, on l'a vu. Oui, il a dit qu'il s'appelait Patibulaire, non? Oui, il a parlé d'une lampe magique. Je me demande ce qu'il voulait dire par là. Ah, ça, c'est derrière toi. Hein?
Ah ah, t'as vu? Voilà, ça c'est. J'ai mis sur scène. Ah! Qu'est-ce que c'est? Ça va? Oui, il n'a pas l'air dangereux. Toi-même qui t'aime bien. À voir. Oui, à voir. Ah! Qui êtes-vous? Qui je suis? Vous voulez savoir qui je suis? Bah ouais, surtout que t'as une boucle d'oreille qui sous ton pif là, c'est quoi cette connerie là? Il y a un problème de texture, hein. On voit à travers toute ta tête. Oui. Ah, il y a un problème de texture sur tes joues, mec. Très bien, et une plantation dans la règle, une. Je suis le génie autrefois de la lampe, mais vous pouvez m'appeler par mon prénom. Et voici mon fidèle acolyte, le tapis volant. Il y a un problème de texture sur ta gueule là, c'est très bizarre. Enchanté. Pareil. C'est tout? Tu peux faire mieux que ça? Non, on voit ça là-bas, mais le côté de ton crâne, c'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as le blues? Si c'est ça, tu peux m'en parler. Je n'en doute pas. Alors, vous êtes qui? On est. Ça, change de sujet. On est. Son sujet, elle est lentille, elle. Nous, on était en route pour Agrabah. Tout à coup, le tapis s'est mis à foncer en disant qu'il avait vu un ami. Un ami? C'est vraiment cet ami? C'est dingue, hein, je me disais que j'allais pouvoir discuter le bout de gras avec un de mes potes. En fait, je ne te connais même pas. Tu parles d'une déception. C'est sûr que vous connaissez ce garçon, la carpette? Bref, Agrabah, c'est la ville d'aller là-bas, non? Migo, mon pote, c'est là que vit Al, mon meilleur ami. Votre meilleur ami? En fait, le tapis et moi, on fait un petit tour du monde et j'ai toujours rêvé de voyager. Mais comment s'inquiéter pour notre copain Al? On s'est dit qu'on n'allait pas passer lui faire un petit coucou. Ouais. Pourquoi tu vous inquiétez? Y a-t-il une raison? Mais c'est normal de se soucier du bien-être de ses amis, non? Je me demandais juste comment ça se passait avec Jasmine et sa ville et la ville allait bien. Si la ville allait bien. Quand j'ai une idée en tête, pas bien de m'en débarrasser. Je ne connais personne qui s'appelle Al, mais la ville est en mauvais état. Ils sont en plein travaux. Plusieurs tempêtes de sable se sont abattues sur elle. Quoi? Quoi? Pourquoi est-ce qu'il faut toujours que ce genre de choses arrive quand je ne suis pas là? On recule un petit coup de magie et hop, cette ville sera comme neuf. Notre ami Al nous dit que la magie ne servirait à rien. De quoi? Il a dit que les habitants devaient la reconstruire de leurs propres mains. Moi, si c'est que Al a dit, alors il doit avoir raison. Vous n'avez pas les idées alors? Elle a dit pas de magie, non. J'aimerais réparer cet endroit, mais même un génie doit répéter les souhaits de ses amis. Bon, vous devez avoir raison. On devrait y aller, Rossas. Ok. Et moi, un petit chouïa d'aide, ça n'a jamais fait de mal à personne. Et voilà le travail, la vie est hors de danger maintenant. Enfin, revenons à nos moutons, vous êtes qui vous deux? Non, je change de question et vous êtes qui? Vous êtes où? Ok. Alors, la mission s'est bien passée?
Oui, je crois que ça va marcher. Merci les garçons, vous êtes les meilleurs. Oui, on sait. Vous êtes allé où finalement? Là, on est allé entre moi. C'est quoi le nom déjà? Agrabah. On l'a mis dans le désert. On a rencontré de drôles d'individus cette fois. C'est vrai? Puis ça, pas débuyère et Eugénie? Eugénie se faisait beaucoup de soucis pour son ami Anne. Mais parfois, il faut laisser les gens agir seuls. C'est vrai. Le génie a dit que Kane était son meilleur ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est un ami dont tu es vraiment très proche. Franchement. Ben, c'est un peu comme une admiration, je dirais. Ça fait quoi d'avoir un meilleur ami? Non, c'est rien, je n'en ai pas. Ah. À une époque, dans Babel Ship, t'en avais un, meilleur ami. Ok. Le jour 78. On va cliquer les panneaux. Bah nous on va s'arrêter là je pense hein. On va s'arrêter là, on va laisser la mission pour plus tard, pour la prochaine fois. Donc je vous remercie de cet épisode et on se voit du coup la prochaine fois pour la suite de Kingdom Hearts 358 de Days. Bye bye tout le monde.